Première chose, on va regarder comment ça nage ce truc. Ah oui, je vous ai pas dit. Oui, on est en mer là. Et je pêche avec un leurre à brochet. Oui. Je pêche avec une souris. Et ça nage plutôt pas mal, hein. Alors ça se manie tout doucement. Elle me fait des embardées. Comment ils appellent ça les spécialistes? Walking the dead? Enfin, working, je sais pas. Moi, vous savez, avec le jigging, le spinning, le casting, le. Voilà, vous voyez, je pêche avec une petite souris, Mina. Elle est toute mimi. Elle nage super bien. La queue, elle bouge dans tous les sens, le corps aussi. Alors, évidemment, j'ai enlevé les triples. Hein. Vous me connaissez, je pêche qu'avec des hameçons simples, moi. Hein. Ça s'en mêle pas dans les piézettes, ça s'en mêle pas dans les autres leurres, beaucoup moins. Ça ramène moins d'algues, c'est ça que des avantages. Hein. Et puis j'en loupe pas plus qu'avec des triples. Et puis surtout quand vous avez deux triples là, puis qu'il y a un poisson qui bouge la tête, que vous l'attrapez, vous avez un triple avec trois branches. Trois chances de vous planter dans la main, quoi. Vous voyez le truc? Bon, alors, donc doucement. Alors j'ai pris ma Gamagatsu, hein, 5-30 grammes, parce que c'est des leurres très légers. J'ai pas pris la Tenryu qui commence à 14 grammes, ni mon Ultimate Fishing d'ailleurs. Ah, faut pas donner de grands coups de sion, hein. Faut vraiment la laisser doucement en lancer ramener. Ben alors vous le voyez pas parce qu'on est très bas sur l'eau sur un kayak. Et on manie pas un leurre quand on est assis dans un kayak que quand on est debout dans un bateau ou au bord. Hein. D'ailleurs, pour vous en rendre compte, vous avez juste à vous amuser à, comment dire, à vous asseoir au bord, pour ceux qui pêchent du bord, de vous asseoir et de pêcher. Vous allez voir que c'est pas du tout la même façon de faire. Bon, j'ai essayé ma petite souris, maintenant on va pêcher un peu. Alors, petite souris, mon petit minin. Hop! Bon, vous voyez, ça les attire quand même, ils montent, hein. Ils montent dessus. Là, je suis sur une chasse, on va faire un peu de direct. Alors, je lance pour loin la souris parce que c'est absolument pas aérodynamique hein, comme forme. Hein. Hop, poisson. Oh, oh bah, c'est des tout petits. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, le fait de mettre du 1-0, vous voyez, ça évite aux petits barres de se piquer. Hein. Pas tout le temps, mais. Puis le leurre, il est quand même assez gros, même s'il est léger. Ouais, hop, ça y est, vous voyez, j'ai même pas besoin de ferrer. Hein. J'ai même pas besoin de ferrer avec le 1-0, ça marche tout seul. Alors la souris, vous voyez, ça marche aussi. Viens là, mon ouais, c'est pas un gros, hein. C'est pas des gros. La canne dans le porte-canne pour avoir les mains libres. J'attrape le leurre. Vous voyez, il est planté, hein, pas de souci. On va le décrocher. Avec ma pince qui est toujours arrimée, évidemment. Vous me connaissez de toute façon hein, maintenant. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, les puisettes à canne sont simples. Hein. Hop là, voilà, ça c'est fait. Et je le manipule pas. Je vois des gens qui les manipulent avec les mains sèches, mais si vous saviez le mal que vous leur faites. J'en ai parlé avec les gens d'Océanopolis à Brest. Et ils me l'ont bien dit, hein. Il n'y a rien de plus mauvais que de manipuler un poisson avec des mains sèches ou de le tenir en position verticale. Pour moi qui le dis, hein. Alors on continue. Ah, il y a du vent, mais je crois bien que j'ai pris un petit mimi. Petit mimi. Avec la souris, mimi.
colère vient, ce démoni. Il se bat bien. Oh oui, il est beau. Oh oui, il est beau. Oh, 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 oh. Un démoni avec une souris. Voilà, mon minin. Oh. Attends. Wow. Oh. Dis-moi, attendez, je mouille le pantalon et mes mains pour pas lui enlever le mucus. Le respecter, les minas. Vilaine Karim. Ah, oh, ça tangue. Alors ça, c'est emmerdant. C'est toujours la graffe. Hein. Oh. Voilà. Alors, je vais vous le montrer, le petit Mimi. Avec la petite souris du Mimi, le Mimi. Combien tu fais, toi? Attends. Attends. Attends, Mimi. Ah. Bon, il est pas bien, quoi. Mais bon, allez, mon Mimi. Allez. On va faire des petits. Bon. Là, il y a 25 nœuds. La mer se forme. Je vais rentrer. Les petits Mimi. Alors, si vous voulez me suivre dans mes prochaines aventures, abonnez-vous. Partagez, likez, commentez. Je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Bye!